Salut à tous, on se retrouve pour une review de cette figurine de K2SO créée par un joueur spécifique, catégorie Big Figs, parce qu'elle fait 78 cm. Elle est grande quoi, elle est magnifique aussi. Bien sûr, si on a une vidéo comme ça de cette figurine, je ferai sûrement d'autres figurines Big Figs. Vous pouvez voir déjà les caractéristiques, c'est qu'elles sont assez détaillées pour le prix. Oui, parce que j'ai un prix dérisoire aussi, hein. Donc vous voyez bien, donc si je me souviens bien, il y a 7 articulations. Première, les mains, ces mains-là, qui pivotent juste, ça suffit largement, on pourra mettre un blaster si on veut. Puis, secondo, le bras, ça fait déjà deux. Le deuxième bras, la main, aussi encore. Après, nous passons à la tête, parce que le plus important. Nous avons articulation 360. Articulation 360. Aussi rotation du bas du cou. Parce qu'on peut mettre là et on peut faire ça. Voilà. Voilà. Et les dernières articulations qui se trouvent au niveau du buste pour le faire tourner. Je sais pas si je peux vous montrer. C'est assez compliqué, j'ai pas de main. Et... Attendez, je vais faire tourner au pire et voilà. Voilà, j'ai refait tourner. On peut voir bien l'angle qu'il peut prendre aussi. C'est suffisant. Et maintenant, on passe au derrière. Donc, là, on peut voir ces magnifiques détails. Même s'ils sont très fins, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que le custom est possible, hein, grâce à des détails prémis. Les détails sous la tête aussi, hein, qui sont un peu visés là voir. Les deux petites antennes en plastique qui sont intéressantes parce que ça évite d'abîmer. Et voilà, nous avons fini la review sur cette figurine de K2SO. Ce droïde de protocole très très marrant de Rogue One. Je vous laisse et. Force soit avec vous.